L'oiseau rare. Bien, les enfants, faites une petite pause pendant que je sors les tapis de gym de l'abri. Les garçons, j'ai appris une super figure de gymnastique artistique, vous voulez voir? Une roulade avant. Comme ça, tu veux dire? Wow, t'es hyper fort, Sacha. Tu veux bien m'apprendre? Bien sûr. Mais la roulade avant, ça devait être ma spécialité. Vous pourriez me montrer comment faire la roue? Avec plaisir, mais je dois d'abord trouver les tapis de gym. L'abri est complètement vide. Ah bon? C'est bizarre, ça. Oui, en effet. Et je me suis aperçu que les cordes à sauter et les ballons aussi avaient disparu. Il se passe quelque chose de très étrange aujourd'hui. Oh! Voilà une mission pour nous. Pyjamas, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Bibou! Ouais! Ha! Greg devient... Glu-glu! Sacha devient... Yo-yo! On devrait commencer par vérifier que ce n'est pas un coup d'un méchant comme Roméo. Mais pourquoi est-ce qu'il reste planté là comme ça? Va savoir, mais ce que je sais, c'est qu'il faut l'arrêter avant qu'il vole plus de trucs. Au chagolic! A dû aller à l'intérieur. Si on allait voir. Sois prudente, je ne sais pas ce qu'il mijote, mais ce n'est jamais bon. Roméo, on sait que tu es là. Alors tu ferais mieux de te rendre avant qu'on vienne te chercher. Si on remonte la piste des objets disparus, elle devrait nous conduire à Roméo. Mon plan est vraiment génial. Enfin, tous mes plans sont géniaux, mais là, je me suis surpassée. Quand les pyjamasques déclencheront mon piège, le monde sera enfin à moi. Montre-toi, Roméo. Cool, un skateboard. Hey, j'ai trouvé une autre raquette. Oh mince. Oui, oui. Oh, c'est pas vrai. Est-ce que c'est moi que vous cherchiez? Tu sais très bien que oui. Qu'est-ce que tu comptes faire avec des tapis de gym, des ballons et des cordes à sauter? Tout ce que je voudrais, voilà ce que j'en ferai. Ah oui? Mais qu'est-ce qui se passe? Fais-moi descendre. Si j'ai volé tout ce bric-à-brac, c'était juste pour vous attirer ici. Mais maintenant, voici mon véritable plan. Oh, Roméo est parti. Là-haut, Bibou cervelle d'oiseau. Je vole avec mon super copieur de pouvoir. J'ai copié tes pouvoirs. Et tu n'es pas le seul. Vous avez dû absorber les pouvoirs de Bibou, vous aussi. Quoi? Personne n'a le droit d'utiliser mes pouvoirs sauf moi. J'espère que tu as prévu une piste d'atterrissage parce que tu vas vite te ramasser. Ça, tu l'as dit. On se reverra plus tard, Yo-Yo et Glu-Glu. Wow! Pour que je copie aussi vos pouvoirs. Ils s'enfuient. On s'envole. Je vais bien. Moi aussi. Je sais comment m'en servir, j'aurais arrêté Roméo si vous m'aviez laissé faire. Utilisez vos pouvoirs à vous. Mais avec des pouvoirs doublés, on pourra le battre en deux fois moins de temps. Oui, et puis voler, c'est vraiment marrant. C'est la première fois qu'on a la chance d'essayer. Hé, hey, vous allez me courir après ou quoi? Allez, les pi
pyjamasque. On va trouver Roméo. Moi, je le cherche dans les airs et vous depuis la terre. Mais en hauteur, on a une bien meilleure vue. Et puis, c'est beaucoup plus rigolo. Oui. Impossible de repérer Roméo. Tu te sers de l'hibou vision? Oui, mais je l'appelle chat vision. Tu as aussi mon pouvoir d'hibou vision? Attends, je peux essayer. Reculons vision. Oh, je vois Roméo. Ah non, ça y est, je le vois. Non plus. Le voilà. Oups. Comment tu fais pour voir les choses de très près avec ta hibou vision? Ah! Et je viens de faire une roulade arrière. Je crois que je vois Roméo de ce côté. Hey, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Est-ce que ça va? Oui, mais je suis coincée. Les garçons, vite, ils s'enfuient. Encore un effort, on va te sortir de là. Voilà. Venez, attrapons-le. Voler, c'est ma spécialité. Pourquoi vous ne vous posez pas? Parce que voler, c'est trop bien. Et puis, si on vole tous, on attrapera Roméo plus vite. Tu peux peut-être nous montrer quelques trucs, comme s'arrêter ou faire un looping. D'accord, essayez de me suivre. Par mes écailles, elle est rapide. Ça, c'est vrai. Allons-y. Les Super Zéro, on n'attend plus que vous. Ces pouvoirs de hibou sont plutôt chouettes, mais quand j'aurai récupéré les autres pouvoirs des pyjamasques, rien ne pourra plus m'arrêter. Venez par ici, mes petits piou-piou. Non, c'est un piège. Arrêtez-vous. Mais tu nous as pas montré comment faire. Oh! Par mes oreilles de chat. Que j'ai copié tous vos pouvoirs, rien ne pourra m'empêcher de conquérir le monde. Roméo, tu ne t'en tireras pas comme ça. Je m'en tire très bien, au contraire. Avec vos pouvoirs associés à mon génie, je suis devenue invincible. A plus les pyjaminus. Tout ça, c'est de ma faute. Si je n'avais pas été aussi énervée que vous utilisiez mes pouvoirs, on l'aurait déjà stoppé depuis longtemps. Ça ne fait rien, Bibou. On est désolés, nous aussi. On s'est un peu trop emballés à l'idée de pouvoir voler. Et maintenant que Roméo a récupéré tous nos pouvoirs, on va avoir besoin de rassembler toutes nos forces pour l'arrêter ensemble. Bien. Mais d'abord, je vais vous apprendre quelques trucs. Jalouse de vous voir utiliser mes pouvoirs que je n'avais pas réalisé à quel point c'était rigolo de les partager. Merci de nous avoir appris à voler. C'est super chouette. Et c'est encore plus amusant que je ne l'imaginais. Oh, regardez, voilà Roméo. C'est l'heure d'être un vrai héros. Ces pouvoirs sont incroyables. Roméo, tu ne garderas pas nos pouvoirs une minute de plus. Qu'est-ce que vous allez faire? Casser mon super copieur de pouvoirs que j'ai mis hyper longtemps à construire pour libérer vos pouvoirs? Oui, ça m'a l'air d'être une bonne idée. Oups, ce serait une solution, c'est vrai. Mais d'abord, vous allez avoir affaire à mes glu-glu méga-muscles. Rappelez-vous les garçons, suivez-moi et ça ira. Hop, on décolle. Glu-glu main collante. Vous avez entendu Roméo, tout ce qu'on a à faire, c'est récupérer son appareil. Yo-yo, rapido. Maintenant, on va l'encercler. Yo-yo, acrobato. On va tous utiliser notre bibou tornado et on va lui faire s'envoler le copieur de pouvoir des mains. Bibou tornado. Ça fonctionne. Plus fort encore.
bidon, vite! Prévenez votre collante! Encore un petit effort! Bien sûr. Bien sûr que non. La roulade avance n'est pas ma spécialité. Et ça sera beaucoup plus rigolo si on la fait ensemble. Oups. À mon tour. Oups. Yo-yo et le canon rétrécisseur. Allez, j'ai super envie d'aller faire de la balançoire. Zou. Moi, ce que je préfère, c'est le tourniquet. Oui. C'est vrai que c'est sympa. Mais aujourd'hui, moi, je vais à l'ère de jeu des grands. N'importe quoi. Tu es trop petit pour la taille minimum sur la toise. Plus maintenant. Ça y est, je suis assez grand pour aller sur le pont de singe et la cage à écureuil. Ça va vraiment être... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Même les jeux pour les grands sont minuscules. Ouais, là c'est clair, on dépasse tous la toise. Maintenant que je suis assez grand pour jouer avec, les jeux des grands sont tous petits. Et il n'y a pas que les jeux. Regardez. Quoi? Il faut qu'on trouve qui a fait ça et pourquoi. Pyjamasque, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Greg devient... Glu-glu. Sacha devient... Yo-yo. Les pyjamas. Même si les choses rapetissent, eh bien moi, je suis toujours aussi grand. Et puis, on va bientôt découvrir ce qui se passe. Tous au chabolide! Il y a de plus en plus de trucs qui rétrécissent. Regardez cette fontaine! Et ce panneau! Quoi? Allons-y, les pyjamasques! Il faut qu'on trouve qui se cache derrière tout ça! Roméo? Alors, salut les pyjamasques! C'est toi qui as fait le coup! Non! Non, c'est moi! Ninjaka, alors c'est toi? Non, c'est pas lui. C'est mon invention à moi. C'est ton invention. Mais tu ne sais pas t'en servir. Bien sûr que si. C'est moi qui appuie sur les boutons. Mais tu as besoin de moi pour pointer le canon. Allez, continue, tire sur ce banc là-bas. Hé, arrête ça. D'accord. De toute façon, tout ça, c'était juste un entraînement. Oui, on s'entraînait. Ce qu'on veut vraiment rétrécir, c'est... Vous. Nous. Oui! Si vous devenez minuscule, je serai enfin tranquille pour devenir le maître du monde! Et je pourrai vous transformer en pyjazoave. Vous serez tellement petit et sans défense que vous serez obligé de m'obéir. C'est trop fort, hein? Pas aussi fort que d'être le maître du monde! Eh ben si! Eh ben non! Je te dis que si! Te dis que c'est non. Celui qui dit qui est! On s'en fiche de savoir qui est le plus fort! Parce que de toute façon, ça risque pas d'arriver! Je suis un grand garçon! Personne ne me rétrécira! Ni moi, ni mes amis! Il est temps que les choses reviennent à la normale. Pyjamasque, c'est parti! Fais attention, Yo-Yo! Pas de panique, je sais y faire.
Tu sais surtout te faire tout petit. Ah ! Yo-yo ! Mais c'est horrible ! Oh, regardez, c'est un mini-minet ! Un Dretressy, plus que deux encore. Tu serais tellement mignon en pyjama zouave danseur. Ha ha ha, mon plan est génial. Mais pas aussi génial que d'être le maître du monde. Tu rigoles ou quoi? Ose me dire que mon plan n'est pas génial. C'est pas mal. Mais moi, quand je serai le maître du monde, je pourrai faire tout ce que je veux. Glu glu reptile au camouflage. Qu'est-ce que tu pourrais vouloir de plus que de profiter de ce spectacle? Je te tiens, Yo-Yo. Moi aussi, je te tiens. Au lieu de rester là, allez regarder. Rattrapez-les. Mille reptiles, il nous faut un plan. Oui, il faut qu'on s'adapte maintenant que tu es petit. Je suis pas si petit. Je peux toujours être votre chef. On est parti. Peut-être conduire à ta place aujourd'hui. T'inquiète pas, on va t'aider à redevenir comme avant. On a juste besoin d'une idée. Moi, j'en ai une. On roule vite autour de Ninja Kai de Roméo pour leur donner le tournis. Et je saute du chabolide pour attraper le rétrécisseur. Mais le rétrécisseur est Maus. Et toi, t'es vraiment... petit. Tout ira bien. C'est pas parce que je suis un petit peu moins grand qu'on doit changer nos habitudes. Allons-y. Échapper. Et où sont les pyjamas que maintenant? On va leur donner le tournis à ces méchants. Quoi? Pousse-toi de là, espèce de ninja ahuri. C'est moi la ahuri? Tu plaisantes? Tu ne tiens même pas debout. Youhou! Et ce sera toi, Bibou. Ah!
Ouais! Youhou! Je suis un demi-grand! Récupérer la machine. Bibou, prends les manettes. Oui, youpi, ça marche dans l'autre sens. Bien joué, les pyjamasques. Maintenant, on n'a plus qu'à tout remettre à la bonne taille. Il nous reste qu'à rétrécir le rétrécisseur jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. Ouais! Pyjamasques, on crie hurrah! Cette nuit, on a réglé les tracas! C'est vrai que t'as largement la taille maintenant, Sacha. Oui, tu peux aller sur les jeux des grands. Oui, mais je préfère attendre que vous soyez assez grand pour venir avec moi. Vous venez? On va sur le tourniquet. Tant que je ne suis pas trop grand. Ouais. Glu-glu et le Micmac au musée. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, vous allez tous fabriquer une fusée miniature. Ouais. Je vais construire la fusée la plus géniale qu'on ait jamais vue. Je vais mettre des lasers, des propulseurs hyper puissants et je vais la faire grande comme ça. Là-dedans, il y a tout le matériel qu'il vous faut. Et ensuite, je la peindrai tout en vert parce que c'est ma couleur préférée. Dépêche, Craig. Ouais. Hein? Oh. Il n'y a plus de tubes en carton, ils ont tous été pris. Comment je vais faire pour construire une fusée, moi, maintenant? Tu n'as qu'à utiliser autre chose. À Maya, il n'y a qu'une seule façon de construire une fusée miniature et pour ça, il faut un tube en carton. Non, pas forcément. C'est vrai, il y a toujours plusieurs manières de faire les choses. On va bientôt aller visiter le musée des sciences. Ça te donnera peut-être une idée. Il paraît qu'ils exposent une vraie fusée. Quoi? T'es sérieux? C'est trop génial. Oh, malheureusement, la visite au musée a été annulée. Ça, c'est pas de chance. Pourquoi? Une chose étrange est arrivée. Une panne de courant général dans le musée alors que tous les immeubles du quartier en ont. Sans électricité et sans lumière, ils ont dû fermer les expositions. C'est vrai que c'est bizarre, cette histoire. On devrait aller voir ça de plus près ce soir. Pyjamasque, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Bibou! Ouais! Ha! Greg devient... Glu-glu! Sacha devient... Yo-yo! Alors ça, c'est curieux. Il y a de la lumière à l'intérieur du musée. S'il n'y a plus de courant, comment c'est possible? Oh, c'est pas le plus important. Regardez. Sur fond rampant, c'est le laboratoire de Roméo. C'est lui qui a provoqué la panne de courant. Vite, tous à la reptile mobile. C'est bien, Roméo. C'est à cause de toi qu'il n'y a plus de courant, avoue. Exact. J'ai décidé de prendre possession du musée. Qu'est-ce que tu manigances encore, Roméo? La batterie de mon laboratoire est à plat. Il faut que je la recharge, mais ça prend du temps. J'ai décidé de faire du musée mon quartier général. Là, je pourrais finir ma diabolique boîte à malice. Ta diabolique boîte à malice? Tu as bien entendu. Une fois terminée, elle me permettra de contrôler cette ville tout entière. Une jolie cité entièrement dédiée à ma gloire. Et je l'appellerai... Roméoville! Je
je croyais que vous vouliez l'appeler Roméopolis. Oui, ben j'ai pas encore décidé. C'est ça, dans tes rêves, les pyjamasques sont là et ont bien l'intention de déjouer tes plans. Vous pouvez toujours essayer. Mais bon courage, parce que j'ai posé des pièges partout. Croyez-moi, vous ne réussirez jamais à entrer. Oh, alors ça, c'est ce qu'on va voir. Glu-glu, pas si vite. Oh, oh, oh non. Yo-yo, acrobation. Je te tiens, Glu-glu. Oh, merci, Yo-yo. Merci, tête de tétard. Grâce à toi, je sais que mon piège fonctionne. Allez, bonne nuit et à bientôt, les pyjaminus. Hein? Rien de cassé, Glu-glu? Non, ça va, mais ça ira encore mieux quand on sera à l'intérieur. Glu-glu, attends, tu as entendu ce que Roméo a dit? Le musée tout entier est piégé. On devrait peut-être trouver une autre solution. Non, on doit entrer là-dedans, c'est le seul moyen de l'arrêter. J'ai une idée. Et si au lieu d'essayer d'entrer à tout prix, on essayait de faire sortir Roméo du musée? Excellente idée, Bibou. Et je crois que je sais comment m'y prendre. Bonjour, je m'appelle Robo. Bonjour, Robo. Moi, je m'appelle... Hein? Je connais ce bruit. C'est celui du vendeur de glace. J'adore les glaces. J'espère qu'il a mon parfum préféré. Pistache, double pépite de chocolat. Youhou! Attention, il arrive. C'est maintenant ou jamais. Cette fois, tu ne m'y tiendras pas, Roméo. C'était un piège. Oh, mais j'avais vraiment envie d'une glace, moi. Vous allez me le payer, pyjamasque. Glu glu, incolence. Tu te fais toujours avoir, cuisse de grenouille. Je n'ai pas fini avec toi, Roméo. T'es tombé dans le panneau. Encore une fois. Glu-glu, attention! Par mes écailles! Oh non! Oh, ma reptilomobile! Cette fois, il m'a vraiment énervé, ça a bardé en... Calme-toi, j'ai une autre idée et ça devrait marcher. Burk, mais c'est quoi cette odeur? Ça pue. Ce vieux fromage coulant sent tellement fort qu'il va forcer Roméo à sortir du musée. Pourvu que ça marche, et vite. Je vais avoir du mal à supporter cette odeur très longtemps. C'est trop immonde, faut que je sorte de là. Roméo est sorti du musée. Glu-glu, non, attends. Cette fois-ci, je te tiens, Roméo, tu es fichu. Quoi? Ça, ça m'étonnerait beaucoup, car ce soir, la météo nous annonce... un temps pourri. Oh, un pulvérisateur de puanteur. Glu-glu, ça va? Tu n'as rien? Pour les trois super zéro, il est temps de tripler la dose. Glu-glu, il n'y a pas qu'une solution à chaque problème. Essayer d'attraper Roméo, ça ne marche pas, tu le vois bien. C'est vrai, ce qu'il faut, c'est le faire sortir du musée assez longtemps pour qu'on puisse détruire sa diabolique boîte à malice avant qu'elle soit terminée. Trop tard, autant abandonner tout de suite les pyjamouises. Ma diabolique boîte à malice est déjà terminée. Ta-da! On est mal. Ça pour un petit drapeau de rien du tout. Faut croire qu'elle n'est pas si diabolique que ça. Elle n'est pas censée s'arrêter là. Ah, hurra! Regardez! Qu'est-ce que tu as fait à notre belle ville? Tu veux sûrement parler de Roméopolis? Tu vas arrêter ça tout de suite. Oh, mais moi je ne fais rien du tout. Celle qui travaille, c'est ma diabolique boîte à malice. Grâce à une simple petite équation mathémaléfique. Oh, tout ça, c'est ma faute. Je n'ai pas voulu essayer autre chose. J'ai répété les mêmes erreurs encore et encore pour attraper Roméo.
Si je n'étais pas restée bloquée tout le temps sur une seule et même idée, il n'aurait jamais pu terminer sa boîte à machin. Non, ma diabolique boîte à malice, tu veux dire. Si vous me cherchez, je serai à l'intérieur. Sur mon trône. Oh, on n'arrivera jamais à entrer. Hein? Là-dessus, tu as raison, Yoyo. En revanche, il y a peut-être un moyen d'attirer Roméo hors du musée. Allez, c'est l'heure d'être un vrai héros! Est-ce que je me ferais plutôt appeler Monsieur le Maire Roméo ou Sa Majesté Roméo? Maître, venez voir, c'est urgent! Qu'est-ce que... Le labo est en marche! Mais c'est impossible! Il n'est pas encore chargé! Ah! Sors de là tout de suite! Robot! Yo-yo, rapido! Quoi? Hein? Pourquoi ça marche pas? Ça bougeait il y a 2 secondes! Tu as raison, ça bougeait! Mais seulement grâce à mes glu-glu méga muscles! Hein? Alors c'était une ruse! Ma boîte! Non! Maître, n'oubliez pas les... Oh. Les pièges que j'ai posés! Ah Est-ce que vous allez bien? Oui, ça va. Du moment qu'on ne marche pas sur... Pour longtemps. Oh non! Roméo Police! Robot, sors-moi de là! Ah! Oui, aïe! Tiens, mon labo est enfin rechargé! Ça a marché! La ville n'est plus sous son contrôle! Je reviendrai! Pyjama! On crie hurra! Cette nuit, on a réglé les tracas! Bravo, je te félicite pour tous tes efforts. Oh, elle vous plaît? Tu rigoles, je l'adore! Elle est unique en son genre. C'est la diabolique boîte à malice de Roméo qui m'a donné cette idée. Laissez-moi vous présenter ma prodigieuse fusée du tonnerre!